Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui ne s'annonce pas aussi belle que la précédente. Et oui, les dépressions vont se succéder au fil des jours, nous apportant un temps plus doux, mais accompagné de pluie et d'averses, voire d'orages, il faut le rappeler. De la pluie, nous en avons besoin. On s'intéresse dans un premier temps à notre mardi 7 mars. Et pour cette journée de grève nationale, les premières pluies vont débuter sur les îles vendéennes. Ailleurs, eh bien, tout le monde est concerné par un ciel bien nuageux. Les températures restent assez fraîche avec un minimum de 2 à 3 degrés dans l'intérieur des terres et 5 à 6 degrés pour le bord de mer. Dans l'après-midi, les nuages résistent sur l'ensemble du département et les ondées continuent de tomber le long du littoral. Le mercure est stable avec une moyenne de 7 à 8 degrés sur la totalité de la Vendée. On passe aux prévisions des 3 prochains jours. Et bien mercredi, après le passage pluvieux de la nuit, c'est un ciel de traîne qui se met en place, pouvant être accompagné de coups de tonnerre. Le vent se renforce des secteurs ouest-sud-ouest, il peut souffler jusqu'à 90 km/h en pointe. La vigilance est donc de mise. Le mercure prend son envol, on compte 10 à 11 degrés minimum dès le réveil et jusqu'à 15 au meilleur de la journée. Jeudi, le temps reste bien agité avec un risque de giboulée. Le vent souffle autour des 75 km/h en rafale. Quant aux températures, comptez 10 degrés le matin suivi de 15 au plus chaud. Et puis vendredi, temps maussade et pluvieux. Le vent reste bien sensible avec des rafales pouvant aller jusqu'à 90 km/h. Les températures affichent une moyenne de 10 à 14 degrés. On revient à notre mardi 7 mars. Nous serons un jour de pleine lune. Attention, si vous y êtes sensible, le soleil, même caché derrière les nuages, va se lever à 7h34 et se coucher à 18h59. Coefficient de marée en hausse, 81 et 85. Basse mer, 10h57 et 23h04. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle semaine. On se retrouve bientôt sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo.